Que toute chair bénisse son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Chers amis, bonsoir et bienvenue à cette session de la prière du soir. Exaltons ensemble notre Dieu, notre Roi, et bénissons son nom à toujours. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon.
confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble, nous allons dire joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplons cette clarté dans le soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons ensemble le psaume et les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et la domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui avisent. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre de Josué, au chapitre 5,
les versets 2 à 15. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sortit d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert, pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient circoncis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Parole du Seigneur. Écoutons la lecture du Nouveau Testament tirée de Luc au chapitre 10, les versets 1 à 16. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où
l'on ne vous recevra pas, allez sur ces places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles faits au milieu de vous n'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ici se termine la lecture. Un partage pour ce soir. Sœurs et frères, soyons rassurés par cette parole de saint Paul en son épître aux Éphésiens au chapitre 1er, le verset 13 que je cite. En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Fin de citation. Sœurs et frères, c'est une réalité. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous remplis du Saint-Esprit de Dieu. Mais la question est, quoi en faire avec? Se contenter seulement de l'avoir reçu, et c'est tout? Bien loin de là, car selon l'évangile pour ce soir, que nous venons d'entendre, il y a un grand besoin d'ouvriers pour travailler dans la grande moisson de Dieu. Prêtons attention à l'exhortation de Jésus-Christ. Je cite, « Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Fin de citation. Ce n'est nullement notre moisson à nous, mais c'est la moisson divine. Sœurs et frères, le besoin d'ouvriers est toujours d'actualité et encore plus pressant de nos jours. Qui sont ces ouvriers, sinon vous et moi, baptisés et faisant partie des membres de son Église? La responsabilité d'annoncer le royaume de Dieu ici-bas nous incombe. Le devoir de participer dans la mission des apôtres qui est de proclamer ce royaume, eh bien, chers amis, c'est pour nous. En tant que bon berger, le Seigneur Jésus a annoncé que cette tâche ne sera pas de tout repos. Car dit-il, je cite, « Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Fin de citation. C'est comme quoi un homme avait été en vos deux. Mais du fait que c'est Jésus lui-même qui envoie, c'est sûr qu'il pourvoira à tous nos besoins. Il ne s'agit que de lui faire confiance. Soyons des artisans de paix, étant citoyens de son royaume. Quel amour pour moi, quelle passion.
À la page 52, disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra les juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54, passons aux prières. Le Seigneur soit avec nous. Prions le Seigneur. Tous ensemble, nous disons cette prière que le Christ lui-même nous enseignait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Prenons ensemble l'invocation série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours.
que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Écoutons la collecte du jour. Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière. Donne à chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l'accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. À la page 58. Ô Dieu, qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Je vous remercie. The Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of their darkness bright, who will bear my light to them, whom shall I send?
is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your peace.